Le tram de la vie sont les solidarités qui s'enchaînent nuit après nuit au fil de tous les arrêts. Les trams de nos vies sont ainsi tout enchaînés pour donner vraiment l'envie de choisir la société. Oui. Allô, oui. Oui. Les trams de nos vies croisent les chaînes de solidarité pour former le tissu solidaire. Solidaire ? Eh ben, c'est rendre solide ce qui est fragile. La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leur chemin était hérissé de misère et de barbelés. Ils ont convaincu l'homme de cœur de protéger leur petit bonheur. Et justement, mon rêve parle d'elle et de vous. Raconte-moi ton rêve. Qui veut donner à chacun le pouvoir de se distraire même sans en avoir, de se loger et de s'instruire, de travailler, de se nourrir. Heureusement dans le monde, heureusement dans le monde, d'autres voix me répondent, d'autres voix me répondent. Chacun le pouvoir, tu parles. Personne ne nous le donne le pouvoir. Il faut le prendre. Que la charité fasse ce que la justice seule ne peut faire. Est-ce que je ne viens pas justement de lui donner une couverture? Depuis qu'aborda sur sa côte ce frêle esquif venu de Palestine et sur lequel se trouvait Lazare le ressuscité, l'ami de Jésus, premier évêque de notre cité selon la tradition, et ses sœurs, Marthe et Marie de Magdala, apportant ainsi à la France, à l'Europe, la civilisation de l'amour, et par là même de la charité. Lorsqu'on voit qu'on est déjà sous la protection de la bonne mère, vous ne pouviez que faire ce congrès à Marseille. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Eh bien oui, c'est possible. Et nous sommes ensemble pour l'affirmer. Des milliers de personnes nous disent qu'elles attendent quelqu'un pour les aimer. Eh bien, nous sommes ici ces trois jours pour le confirmer une nouvelle fois. Un ermite ne peut pas vivre bien sa solitude s'il ne la vit pas en communion avec l'humanité et avec la communauté. Je pense. D'accord, vous voulez dire que la vraie solitude, oui, la solitude seule, oui, ne peut pas exister, ne peut pas en tout cas être viable. Quand on rencontre une situation catastrophique, il vaut mieux essayer de construire le monde dont on rêve pour un enfant, plutôt que de se morfondre et de se dire à 60 ans, mais que je fais. C'est comme si on l'enseignerait à tout jamais. La raison. Pour gagner, la guerre c'est pas la violence, mais la solidarité. Il y avait certainement des gens plus importants pour lui passer devant. Vous n'avez pas un peu de compassion, non? Ça vous suffit pas de la brûler au corps, il faut la brûler au cœur aussi. Éteins ce feu à sa fontaine, chaleur humaine, chaleur humaine. Et t'inquiète, mon petit Joe. Il n'y a pas de personnes handicapées. Il n'y a que des situations inadaptées. Dans la visite, la rencontre, elle se fait au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Non, mais disons qu'il est lassé d'avoir à nettoyer son tram régulièrement. Et il préférerait voir la bande dans le wagon prison. Même si ce sont des enfants. Mais oui, parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'ils comprendront comment choisir par eux-mêmes à quelle station ils veulent monter ou descendre, plutôt que de leur apprendre. C'est comme si on l'adoptait à tout jamais. Notre fraternité. Ah oh bah c'est sûr que les soupapes, je vais en avoir besoin. Parce que la pression, elle commence à monter par ici. Je peux plus exister là. Tu peux t'adapter là. Je sers plus à rien, moi. Y a quelque chose à faire. Pourquoi on s'occupe de la machine? Et pas de nous? Comment faire un monde où il n'y aurait plus d'exclus? Plus, plus, toujours plus. Vous croyez qu'on vit mieux avec plus? Bonjour l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Pour
sans se laisser dépasser. Et qui va me rapiécer, moi, en attendant que j'apprenne un nouveau job pour mon chat. La solitude se décline pas simplement d'avoir quelqu'un à côté de soi, mais quelqu'un qui compte pour soi. Projet Ensemble de Génération, qui donc est fait pour répondre à deux constats sociaux, le problème de la solitude des personnes âgées et le problème de la précarité des jeunes, entre autres par rapport à la pénurie du logement étudiant qui crève leur budget et qui les met dans des situations très très difficiles. Mais nous avons déjà mis à peu près 600 binômes en place. Binôme, c'est un étudiant qui va vivre un an de cohabitation avec une personne âgée. Il faut des prétextes pour aller frapper à la porte des gens et cette fête des voisins, c'est un bon prétexte. Pour vous, quel est le voisin idéal? 73% des Français répondaient « celui qu'on ne voit jamais ». Et pourtant, je pense qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Simplement, cette générosité, elle a plus de mal à s'exprimer. Que la défiance, pour moi, elle est en train d'empoisonner, de tuer lentement mais sûrement le lien social. Et que si on arrive à mettre chacun dans cette posture de se sentir utile, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Le Secours islamique, juste à titre d'exemple, organise pendant le mois de Ramadan donc des repas solidaires pour rompre le jeûne. On a accueilli tous les soirs pendant un mois entre 200 et 260 personnes. Dans ces personnes, on avait peut-être 20% de personnes qui jeûnaient, qui faisaient le Ramadan. Stop. Et je crois qu'il faut qu'on revoie ce mot solidarité pour y mettre de la réciprocité. Le partage des richesses étant de plus en plus défavorable à ceux qui ont peu, on a des situations qui peuvent tourner à de la crise économique ou qui peuvent même tourner à l'insurrection dans certains pays. Et cet homme n'a cessé de me répéter, pendant que le SAMU arrivait, mais il ne me connaissait pas, je débarquais dans la cité, mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir? Qui es-tu pour m'empêcher de mourir? Il y avait une maladie qu'on appelait, vous savez, les pères qui allaient dans le désert, là, qui vivaient en ermite. Ils avaient une première maladie, on appelait ça l'acédie. Ils étaient tristes, ils n'avaient plus goût à rien. Alors ils faisaient le vide autour d'eux, ils faisaient le vide, plus personne n'allait les voir. Il y avait une autre catégorie, ils avaient une autre maladie, ça s'appelait la superbe. Alors ceux-là, ils avaient réponse à tout, ils savaient tout, ils avaient la vérité, ils avaient la solution surtout. Mais ceux-là aussi faisaient le vide autour d'eux. À oser à avancer, un peu même s'il y a du brouillard devant, de rentrer dans une attitude à la fois d'humilité, mais en même temps qui ne nous empêche pas d'aimer. Quelqu'un disait que l'humour, c'était le mélange entre amour et humilité. Il faut tricoter des relations, tricoter des liens, et si possible, faire du point jacquard. Mais elle-même, elle me dit, mais vous m'avez sauvée. Voilà, donc on peut sauver les gens par la visite à domicile. Au Liban, la structure familiale, les amis, fait qu'il n'y a jamais de gens seuls. Et lui, il était sidéré qu'on en ait fait notre grande cause nationale. Aujourd'hui, les gens amassent. Ah, ils amassent pour calmer leurs angoisses. C'est comme si un grand espoir nous propulsait vers notre liberté. Comme ça, hein ? Faut pas bloquer comme ça. Nous, on a des livraisons à recevoir. Ah ouais ? Eh ben nous, on a de la bouffe à recevoir. Oui, mais alors, pas de livraison, pas d'argent, pas d'argent, pas d'emploi, pas d'emploi, pas de bouffe. Bon, bah pas de bouffe. Bon, ben de la bouffe, hein, puisque vous bloquez. Mais vous voyez pas qu'on crève. Mais de quoi vous avez peur, enfin? J'ai très peur de partager leur malheur. Remontez dans le tram, immédiatement, avec en majuscule RMI. On chante à pleine voix, donne au monde. Chante à pleine voix, oh donne autour de toi. Et l'âme d'un jeune chrétien ne meurt jamais, elle dort. Alors quand j'ai compris que j'avais assez d'énergie, j'en ai profité pour donner mon énergie pour redémarrer le moteur des autres. Le Liban n'est pas un pays, c'est un message. La première, c'est un jardin d'enfants où il accueille chrétiens et musulmans, et même il aura quelques élèves de petits juifs des kibbutz. Le petit jardin d'enfants, lui, dans le même sens, deviendra, et est aujourd'hui, une université interreligieuse, des hommes du dialogue avec tous, des hommes de l'éducation pour tous et des hommes de la réconciliation entre tous.
Comment être solidaire? Ben d'abord en sortant des lamentations qui nous sont proposées. Si vous allez en Israël-Palestine, s'il vous plaît, allez visiter vos frères. L'image que vous avez de vous-même ou l'image que vous avez de l'autre joue un rôle extrêmement important sur votre propre avenir. Que la force soit avec toi! Vous avez tout compris! Et à partir de ce moment-là, on m'a donné plus que de l'argent pour payer mon billet. On m'a permis à mon tour de donner mon énergie. On a dit que j'en avais, que je savais faire quelque chose, que je pouvais le faire, et on m'a montré comment le faire. C'est comme si on voyageait dans le même tramway, en toute liberté. Voilà le tunnel. Si va le monde. D'emploi. J'ai ma couverture énergétique, ma sœur. Alors, qui va pouvoir me dire c'est quoi le S? Servir. C'est quoi ton vœu? Attends, elle n'a pas le droit de le dire, sinon il ne va pas se réaliser. Mais si, ils sont en train de le réaliser. Pour construire le monde dont on rêve, il faut donner à tous l'envie d'y vivre. C'est comme si on voyageait dans le même tramway. Ça m'a frappé parce que vous terminez par solidarité, qui est le dernier mot à la mode, qui a en quelque sorte remplacé fraternité, qui lui s'est installé à la fin du 18e, et qui a succédé lui-même à charité, qui aurait pu être le premier des wagons. Que l'assistance ne suffit plus. Il faut aller vers l'accompagnement. L'accompagnement jusqu'à l'autonomie retrouvée de la personne. Voilà, c'est l'occasion de mettre un visage sur des voix que l'on entend au téléphone. Ou... Loneliness is the poorest form of poverty. Mère Teresa me disait, la solitude, c'est la pire des formes de pauvreté. To give them back the respect of a human person. Nous devons leur redonner l'amour propre qu'elles ont perdu et le respect qu'elles ont perdu. And the dignity of the human person. Et la dignité des personnes humaines. Des milliers de passagers descendent. Mais ce ne sont que des jeunes de 15 à 35 ans. Je ne vois aucun passager de 60 à 90 ans. Avez-vous vu les Vins Anciens? Un jeune répond, t'es Vins Anciens. Mais c'est nous. Les papiers et les mamies nous ont passé les témoins et les flambeaux. Vous pouvez nous faire confiance. Merci. Signé, mamie. Ah, alors là, c'est un admirateur de Marianne qui j'ose à peine. Je dirais qui est l'auteur de cette carte postale après. C'est un petit peu intime, c'est un petit peu gênant, mais bon. Hein, on a dit qu'on lisait toutes les cartes postales. Élargir l'espace de nos tentes, Esaïe. Ouvrir toutes grandes les portes au Christ, Jean-Paul II, et c'est signé Bruno Dardelet. Pour conclure, Vincent de Paul disait « Et j'ai peine de votre peine ». J'aimerais, sans paraphraser, que nous reprenant l'idée de la petite fleur que j'ai demandé à chacun d'entre vous de porter à une maman dans les jours qui viennent, j'aimerais que tous ensemble nous quittions ce congrès dans une belle ambiance qui est la nôtre, et de dire à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, j'ai joie de ta joie. Merci. C'est comme si on lancerait à tout jamais un réseau de charité. C'est comme si on l'adoptait à tout jamais. Notre fraternité. C'est comme si un grand espoir nous propulsait vers notre liberté, la liberté. C'est comme si on voyageait dans le même tramway, le même
chanteur.